อันนี้กำลังสินั่งรถแทรมครับเหมือนรถล่างบ้านเฮ้าเลยนะครับชมเมืองชาร์เขาเรียกการ์ดก็ไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงประมาณการ์ดประมาณนี้ครับเห็นเป็นรถล่างถาคนเต็มคนครับข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์ซื่อว่าเนี่ยครับโบสถ์ข้างหลังชื่อว่าคาเซดาเลยคาเซดาเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวรถออกแล้วเจอกันMerci. J'ai donné les billets à la dame derrière. Ah bon, d'accord. Elle a pas de billets. Elle a pas de billets. Voilà, regarde ce qu'elle a pris. Merci. Je sais pas comment ça fait. Bonjour. Merci. To the right, on the parvis, numerous ecological excavations, which have been carved now for many years, have shown the existence of the vast Roman court of justice at the beginning of the Christian era, as well as communal houses of the 12th century.Destroyed at the end of the 19th century. The underground cellars went below the excavations more than 19 meters deep and were used as herald shelters during the Second World War. The cathedral was protected by sandbags put all around up to the first floor. The stained glasses were removed in 15 days in 1940 and then sheltered mainly in a crypt but also in some caves in Dordogne. They were moved back in 1948.Durant la Seconde Guerre mondiale, on a protégé la cathédrale, one of the oldest bridges and the largest one with 30 meters. In the background, to the right, an old wash house of pillars with its briar above. Au fond à droite, un vilavoir se fait lier avec tout ici son séchoir. To the right,Special smart materials for a special house with a tower-shaped glass staircase. It combines old and modern style. À droite, une maison des matériaux originaux pour cette maison originale, avec une tour en verre qui abrite un escalier. On marie ici le style ancien au style moderne. Là, à vous dire.We are entering Mora Gestries. It was the first brick of Shah to be liberated at the night of the 15th of August 1944, thanks to the courage of two Grand French members of the resistance.Who prevented the bridge of Morargate from exploding. Nous entrons dans la rue de la Porte Morard, qui était la première rue libérée de Chartres, dans la nuit du 15 au 16 août 1944, grâce au courage des deux résistants français, qui ont empêché que le pont de la Porte Morard sur lequel nous passons ne saute. Ils l'ont déminé. Les véhicules blindés alliés ont ainsi pu passer par ici pour libérer la ville.Derrière la végétation, derrière les arbres, vous apercevrez peut-être les vestiges des remparts de la ville, des murs de ville, construits sous le règne de Philippe Auguste le Roi à partir de la fin du XIIe siècle, pour repousser les assauts de l'armée anglaise. Chartres était une forteresse. To the right, behind the bus stop, behind the hedge, remain the vestiges of the walls of the town, built under the reign of Philippe Auguste in 1181, in order to push back the English army. Chartres was a fortress.We are now entering Henry Street, which means the Chef du Donkey Streets. The Chef du Donkey was an allusion, a mockery to the tonsure of the monks, the monk or the donkey. Nous entrons dans la rue de l'Henry, diminution de la rue de l'Henrasé. L'Henrasé, c'était une moquerie à la tonsure, à la coiffure des moines. Le moine était un âne. On se moquait des religieux car sur la gauche, vous découvrirez l'imposant bâtiment, l'imposante façade de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Père-en-Vallée,
ou étudier les religieux, justement. À l'époque, seuls les hommes d'église avaient le droit d'ouvrir les livres. C'est devenu à présent une école secondaire, le lycée Marceau. To the left, you would appreciate the imposing facade of the old Benedictine Abbey of Saint-Père-en-Vallée, where religious men studied. At the time, only churchmen at the right open books. This abbey is now school, Marceau Secondary School. General Marceau, one of the glories of French history, was born in Chartres. He was a soldier when he was 16 years old, general when he was 24. He died at the age of 27 in 1796 on the battlefield in Germany. Le général Marceau, qui a donné son nom au lycée, est l'une des gloires de l'histoire de France. Il est né à Chartres. Il fut soldat à 16 ans, général à 24. Malheureusement pour lui, il est mort également jeune à 27 ans, en 1796, sur le champ de bataille, en Allemagne. Je rappelle que l'on dansait ici quand venait écouter l'orchestre, qui se produisait essentiellement le dimanche. La bourgeoisie, les rentiers, aimait discuter, se promener et surtout se montrer ici. Le bar, la promenade était plus calme. Son extrémité nord était occupée par l'ancêtre du tennis, le jeu de paume jusqu'au XVIIIe siècle. Further down the promenade, it was more quiet. The northern part was dedicated to the world tennis and to the 18th century. Nous pénétrons dans la rue des Lys en brûlant un stop, hein. J'espère que vous ne me dénoncerez pas. Les Lys étaient les barres de bois auxquelles on attachait les chevaux du marché. The street of the Lys. The Lys were wooden bars to which the horses of the market were tied up. A little further along to the left, the prison was set up in 1799 in the old chapel of the Carmelites dating from the 17th century. 125 prisoners were jailed here, but the cells were small. For the jail was transferred to Orléans in 2014, last year. À gauche, la prison était installée depuis 1799 dans l'ancien couvent des Carmélites du XVIIe siècle. Elle comptait 125 détenus. Les cellules étaient petites, la prison n'était plus adaptée aux conditions de détention actuelles et a déménagé dans la banlieue d'Orléans. Il y a 9 mois, c'est tout récent. To the left, the original prison door built in the 18th century. À gauche, l'entrée d'origine avec au-dessus des inscriptions indiquant la maison d'arrêt, de justice et de correction. Which was giving access to the chapter area where the cathedral stands, you can see the north porch named the Hallion's Porch, which is about the Old Testament. Face à nous, la porte de l'officialité, également appelée porte Saint-Yvan-Pierre. L'une des neuf portes qui permet d'accéder au cloître Notre-Dame, où se trouve la cathédrale, dont vous voyez le porche nord dit de l'Alliance, évoque l'Ancien Testament, face à nous. The doors of the cloister were closed at night for the rite of sanctuary. Les portes du cloître étaient fermées le soir, on y exerçait le droit d'asile, on avait le gîte et le couvert offert par l'église à la nuit tombée, lorsqu'on n'avait pas de sous, pas de toit. To the left, you can appreciate the imposing facade of Saint-Charles Seminary, dating from the 18th century. À gauche, vous apprécierez la façade du 18e siècle de l'ancien séminaire Saint-Charles, qui est devenu le pôle économique du département. Il y avait beaucoup de bâtiments religieux dans ce quartier près du cloître Notre-Dame. Ces couvents, ces séminaires, ont pour la plupart été vendus à l'État. We are now in Murray Street, on the way toward the Chartres River, the Eure. Murray Street was one of the first streets to be covered, in order to allow the old Roman wagons to bring in the materials used for the construction of the cathedral.
The street was cobbled to prevent the horses from sliding and the wagons from getting stuck into the mud when it was raining. To the left, on the little square, capital executions took place when they were public from the French Revolution on. À gauche, sur cette petite place où se trouvent les voitures, avaient lieu les exécutions capitales lorsqu'elles étaient publiques à partir de la Révolution française. La guillotine est installée sur cette place pour la dernière fois en 1931. Pour un jeune ouvrier agricole qui avait ôté la vie à un couple de tailleurs, simplement pour quelques vêtements et un peu d'argent. Last time the guillotine was used on this little square in 1931 was for a young farm worker who had killed a couple of tailors, just for some cloth and some money. À gauche, au fond, le grand mur de la prison, déjà évoqué. To the left, in the background, the large wall of the prison. A little further along, to the right, timber frame houses with gable and overhang of the 15th century. À droite, des maisons à pignons et encore bellement vieilles de 500 ans. Look at the beams which support the first floor. The local tax in the Middle Ages was based on the inhabitable surface of the ground. Thanks to this technique, the first floor was larger than the ground floor and allowed the people to pay this tax. Regardez les poutres qui soutiennent le premier étage à droite. La taxe d'habitation au Moyen-Âge était basée sur la surface habitable au sol. Grâce à cette technique de l'encorbellement, on a un premier étage plus grand que le rez-de-chaussée. On payait donc moins d'impôts par rapport à la surface qu'on habitait. Nous descendons à présent vers la rivière de Chartres, l'Eure par la rue Muret. La rue Muret fut l'une des premières rues à être pavée au XIIe siècle, afin de permettre aux chariots, tirés par les chevaux, d'apporter matériaux et matériel nécessaire à la construction de la cathédrale. On avait pavé la route pour empêcher les chevaux de glisser, les calèches de s'enliser dans la boue partant de pluie. We are still following the course of the river in Follet Street, which was preserved thanks to a law passed by Malraux in 1962 on the protection of cultural heritage. This allowed some farm-bred houses to be renovated, Chartres on one of the largest productive areas. The cobblestone pavement, the facade of this house a little further along to the left, helped to keep the atmosphere of the old streets. Nous continuons à longer la rivière par la rue de la Foulerie qui a été préservée grâce à la loi Malraux de 1962 sur la protection du patrimoine. Ce sont ainsi plus de 500 maisons qui ont pu être aménagées. Chartres possède l'un des plus grands secteurs sauvegardés français. Les trottoirs qui ont été pavés permettent de conserver l'ambiance des rues anciennes. Les quartiers de la vieille ville dans lesquels nous sommes en train de circuler étaient dangereux jusqu'au milieu du XXe siècle. Fréquents voleurs, on est par ici. Assurez-vous, ça fait longtemps que nous n'avons pas été attaqués dans les petites rues. To the right, Tower Bridge bears les mêmes stones. It dates from the 15th century. À droite, le pont Taillard, à base de pierre, il date du 15e siècle. From this bridge, you have a nice view on the river. Depuis ce pont, un joli point de vue sur la rivière. The Beggins were religious women who didn't take voice. They are very well known in Belgium. Nous sommes entrés dans la rue des Beggins. Les Beggins étaient des religieuses qui ne prononçaient pas de vœux. On connaît leur importance en Hollande en Belgique. Une vaste maison dans cette rue était occupée par les Beggins qui n'étaient pas très bien acceptées ici. Elles sont parties il y a un peu plus de 60 ans.
the left, Saint Peter's Church has been modified many times and possesses a very soft flying buttresses and Radiant Gothic style, which gives a very light style to the church. It also possesses a large and unique collection of stained glasses of the 14th century. L'église Saint-Pierre à gauche, modifiée de nombreuses fois, possède une élégante série d'arcs-boutants très fines en style gothique rayonnant, ce qui amène à Saint-Pierre toute sa légèreté. Elle possède également une collection unique et importante de vitraux des XIIIe et XIVe siècles. The church ends with a massive bell tower from the end of the 10th century, a lighter stone than the rest of the church, and which was used by the monks as the refuge when they were attacked. They barricaded themselves inside. L'église se termine par une grande tour carrée massive de la fin du Xe siècle, plus claire que le reste de l'église, qu'on appelle un clocher donjon carolingien, et qui a pu servir de refuge aux religieux lorsqu'ils étaient attaqués. Ils se barricadent à l'intérieur pour se protéger. To the right of the train, a timber frame house with a little tower of the 16th century. Sur la droite du train, une maison à pont de bois avec une tourelle, elle date du XVIe siècle. Saint Peter's Church is often named the second cathedral. It was built close to the water. This is why it is cool, humid inside. It was also built below ground level, which is rare. Usually bridge hill buildings are raised. There, you have to go down a few steps to go in. L'église Saint-Pierre, qu'on appelle souvent la seconde cathédrale, a été construite près de l'eau, ce qui la rend fraîche, humide à l'intérieur. De plus, elle a été construite en dessous du niveau du sol, c'est rare. Généralement, les édifices religieux sont surélevés. Quand vous rentrez dans la cathédrale, vous montez des marches. Ici, c'est le contraire. Vous les descendez, ces marches. À droite, au numéro 39, vous verrez mieux la technique de l'encorbellement avec les poutres qui soutiennent le premier étage, qui est plus grand que le rez-de-chaussée. To the right, at number 39, you can see much better the technique of the overhang construction with the beams which support the first floor, larger than the ground floor. Bridge to it, to the left in head of us, the church of Our Lady of the Bridge. Look up, look at the steeple which is made of copper like the roof of the cathedral. It turned green under the influence of the weather and oxidation. À gauche, de bas en haut, l'église de Notre-Dame de la Brèche. Regardez en haut le clocher. Il est en cuivre comme le toit de la cathédrale. Il est devenu vert sous l'effet du temps, de l'oxydation. Le toit de la cathédrale était en plomb et en bois. Il a brûlé, fondu. On l'a remplacé par du cuivre qui verdit sous l'eau. The chapel's name comes from a historical event. In 1568, Condé's army made a breach in the wall of the town, but the Protestants won on to the of the Chartres. La chapelle, qui a été de nouveau vitraux il y a 3 ans, nous rappelle l'épisode du siège de Chartres par l'armée de Condé. En 1568, les canons de l'artillerie de l'armée de Condé ouvraient une brèche dans les remparts de la ville. Cependant, les protestants, les huguenots, renoncèrent à rentrer dans Chartres. À l'issue de cette grande période de guerre de religion, Henri IV a été sacré roi de France le 27 février 1594 en la cathédrale. Il fut le seul roi de France sacré à Chartres. Louis VI l'a été à Orléans, les autres à Reims. After this period of religious wars, Henri IV was born King of France in a ghetto born in 1594. He was the only King of France born in Chartres, with the sixth was born in Orléans. And the others in Reims. The Collegiate Church of Saint-André to the left dates from the 12th century and the beautiful Romanesque doorway shows. La Collégiale Saint-André sur la gauche date du 12e siècle, comme le montre le beau portail roman au premier plan. The church was deconsecrated left and rather used as a lawful waiting for food. Nowadays it is used for art exhibition, sculptures and painting exhibition actually. L'église fut désaffectée, abandonnée. Elle servait ensuite de grenier et de grenier à nourriture. À l'époque, on disait souvent que la région était le grenier de la France. On le dit toujours d'ailleurs. Elle accueille de nos jours parfois des expositions d'art. En ce moment, une exposition de peinture. L'entrée est libre. Une exposition sur le sapin.
À droite, le tertre Saint-Nicolas qui permet d'accéder à la ville haute. Il y a plus de 130 marches à monter. We'll cross the Ur by the bridge of the Minims dating from the 16th century. Until the 12th century, the river was very busy with river trade, a lot of flat bottom boats. It was shallow. Nous allons traverser l'Ur par le pont des Minims qui date du 16e siècle, qui porte le nom d'un couvent qui n'était pas loin d'ici. Jusqu'au 12e siècle, la rivière avait une grosse activité portuaire dans ce quartier. Il y avait beaucoup d'échanges fluviaux, beaucoup de bateaux à fond plat, la rivière n'étant pas très profonde. To the right, old wash houses where washerwomen clean the clothes. In the foreground, the mill of Corso, a restaurant which burned 20 years ago and which was rebuilt practically the same way. À droite, les vieux lavoirs où les lavandières venaient laver le linge de la bourgeoisie chartraine. Au premier plan, le moulin de Corso, restaurant qui a brûlé il y a une vingtaine d'années et qui a été reconstruit pratiquement de la même façon. To the left, the collegiate church of Saint-André with its square tower, bridge and full bridge. À gauche, la collégiale Saint-André avec sa tour carrée, pont, passerelle. We follow the banks of the river with wash houses, with bridges and bridges. Nous allons longer les bords de l'Eure, vous découvrirez les lavoirs, les passerelles, les ponts. To the left, one of the oldest stained glass workshops. À gauche, l'un des plus anciens ateliers de vitraux. Il reste 8 mètres verriers à Chartres, qui est la capitale internationale du vitrail. To the right, the banks of the river with flowers. À droite, les bords de l'Eure fleuris. Au centre des versoirs de la fin du 19e siècle. There were the slaughterhouse for cattle in this district. In order to avoid the spreading of contagious diseases, the skins of the animals were directly treated on the banks of the river as soon as they were taken out of the slaughterhouse. We are in Tannery Street. Each street bears the name of the job which was practiced there. Tanners, fooders, leather couriers and parchment makers were the craftsmen of the old town. This the name of the narrow street. The raw material was worked here before it went to the upper town, where it was transformed and commercialized. À droite, les vieux lavoirs du 15e siècle. Je me rappelle mon chaque temps quand je venais battre le linge il y a 80 ans. To the right, old wash houses of the 15th century. I remind when I washed my clothes here 80 years ago. Il y avait un lieu d'abattage dans ce quartier pour les animaux des bouchers. Afin d'éviter la propagation des maladies contagieuses, on traitait directement la peau du bétail à sa sortie de l'abattoir sur les bords de l'Eure. Nous sommes dans la rue de la Tannerie. La rue prenait le nom du métier qui s'y pratiquait. Tanneur, fouleur, corroyeur et parcheminier étaient les artisans de la vieille ville. On les appelait les métiers de la rivière. Les tanneurs tannaient la peau, les corroyeurs assouplissaient le cuir. Les fouleurs foulaient la laine et la peau dans l'eau afin de la nettoyer. Et les parcheminiers fabriquaient des parchemins avec la peau des bétail. Les matières premières étaient travaillées ici avant de les emmener vers la ville haute. On en faisait le commerce en les transformant en vêtements, sacs et chaussures. To the left. To the left, the monument erected in honor of the people killed in a war of 18th century. Passons-nous légèrement sur la gauche, le monument en forme d'arbre, en forme d'arc, érigé en hommage aux soldats tombés pendant la guerre perdue franco-allemande de 1870. C'est rare d'avoir un monument de cette guerre. To the left, behind the train, behind you, the imposing building of the Medieval Library with its clock tower, created in 1928 by the architect Brandon, who was inspired by Gothic style. It is called Our Lady of the Post because it was the post office 8 years ago. À gauche, derrière le train, derrière nous, la médiathèque, avec sa tour de l'horloge. Créée il y a un peu plus de 80 ans par l'architecte Brandon, un architecte local qui s'inspira du gothique. C'était la poste qui faisait le chêne Fruit About Mosaics. À droite, dans la chapelle Saint-Aimant, une exposition temporaire sur des mosaïques. L'entrée est libre. To the left,
The monument in the shape of a medallion, erected in honor of Charles Péguy, the poet. À gauche, le monument en forme de médaillon, érigé en hommage à Charles Péguy, le poète. Charles Péguy a fait de nombreux pèlerinages à Chartres au début du XXe siècle. Il a relancé le pèlerinage chez les étudiants. La cathédrale lui a inspiré quelques jolis poèmes comme prière en la cathédrale. Charles Péguy went on many pilgrimages at the beginning of the 20th century. The cathedral gave him inspiration for many poems. The fast forecourt of the cathedral with was teaching in the center, Jesus with a book in his hands. They tell your ear about the New Testament, the Gospel. À droite, le parvis sud avec au centre du parvis, le Christ enseignant Jésus avec un livre dans les mains. On évoque ici le Nouveau Testament, l'Évangile. The other side of the cathedral is the representation of the Old Testament. And in between the royal portal which magnifies the reignness of Christ, the crowning of Christ. From the Old Testament to the New Testament, and with a thousand scriptures, the cathedral is often said to be a Bible made of stone. De l'autre côté, dans le parvis nord, on évoque l'Ancien Testament. Entre les deux, vous avez notre principal parvis ouest, avec la réalité du Christ, le couronnement du Christ. On commence avec l'Ancien pour finir avec le Nouveau Testament, avec ses milliers de sculptures extérieures. On dit souvent de la cathédrale que c'est une Bible de pierre. We are now back. We hope you enjoyed this little tour. Thank you for your pleasant company. Wish you a nice day in Chartres and in France. Thank you and goodbye. Nous sommes de retour. J'espère que vous aurez apprécié comme moi votre circuit à bord du petit train. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée à Chartres. Au revoir. Merci.